à tous ces casins, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas proposé d'ouverture de booster Pokémon. Et ben c'est chose réglée. Pour ce dimanche, on va s'ouvrir pas n'importe quel coffret, un magnifique coffret Pikachu X collection légendaire. Bah ça fait vraiment plaisir. Bon, je vous l'ai déjà proposé sur la chaîne, mais je trouve que vraiment ce coffret, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il est splendide, il est magnifique parce qu'on a quand même 5 cartes promo. Donc entièrement illustrées, hein, c'est l'équivalent de full art, elles sont très 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 belles, et une carte donc brillante Pikachu X. On aurait aimé quand même que Pikachu X soit aussi hein, de type full art, complètement illustré, mais bon c'est comme ça. Ils l'ont pas fait pour le Pikachu, je trouve vraiment que ce coffret est très très beau. Le seul petit bémol c'est les 3 boosters, évidemment c'est pas énorme, hein, 3 boosters c'est pas beaucoup, mais bon je trouve que pour le prix 25€ ça reste très correct. Parce qu'on a au moins toutes ces cartes promo, donc on a au moins 6 ultra rares, on peut dire, ou 6 rares quand même, 6 ultra rares, on peut le dire quand même, même si elles sont, voilà, c'est des cartes promo, mais ça fait vraiment plaisir, elles sont très très belles. Il y a du Palkia, du Kyurem Noir, Latias, Regigiga, Zekrom, et enfin le Pikachu, donc ouais, ça vaut vraiment le coup, un très très joli coffret. Allez, c'est parti, on va pas perdre de temps, on va l'ouvrir tranquillou. En plus, comme vous voyez, il est scellé sur le côté. Enfin, je veux dire, il s'emboîte. Ça, c'est très cool. Voilà. C'est fait. C'est ouvert. Très, très simple. Allez, on va voir en détail les différentes cartes promo. Qui sont vraiment magnifiques. Vraiment magnifiques. J'ai fait tomber Pikachu. Mais heureusement, sans dégâts. Alors, Pikachu, on va les regarder. On va vraiment les regarder en détail. Voilà, et on a ici donc c'est du rupture turbo, bah, c'est pas mal aussi. Ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert des anciens comme ça, c'est plutôt cool. Hop, on va remettre ça dans l'emballage d'origine. Voilà, comme ça c'est plutôt très facile de reconstituer le coffret. Et voilà, ça c'est fait. Alors, les cartes promo qui sont très belles. Hein. Un petit zoom avant, voilà. Zekrom, très sympa, c'est la SY76. On a Palkia en 75, Kyurem Noir, très sympa. Regigiga, Latias, mais où est Latias hein, on se demande. Et enfin, le clou du spectacle, le Pikachu X. Alors moi, j'aurais vraiment préféré qu'ils gardent le format d'illustration complète de la carte. Mais bon, ils ont choisi une version classique X d'une carte une carte ultra rare. Bon, après, hop, magnifique, 3 boosters. Je vais dézoomer un petit peu parce que là, c'est un petit peu too much. 3 boosters, magnifique, Scizaiox, on a du Amphinobi. Et du Léviator, hein, voilà, quelque chose comme ça. Et je vais commencer par... Voilà, je vais faire comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors j'espère faire un petit tirage chanceux, puisque une carte ultra rare en version X me ferait énormément plaisir. Voire même, pourquoi pas, une full art. Alors là, ça serait juste énorme. Surtout pour que 3 boosters, c'est pas beaucoup. Allez, 1, 2, 3. Ah, j'espère vraiment mettre la main sur une foulard, ce serait vraiment sympa. Tierno, Lacmessigne, Serfrousse, Quaneton, Tritonde, Kokias, Monorpal, Chamallow, Premier Reverse qui est le professeur Platane, j'aime bien, elle est plutôt sympa et attention. On aura une petite holo avec Miasmax qui est plutôt joli. L'effet holo est pas mal. Bon, ça commence bien quand même, ça commence pas mal. Même si comme bon, l'objectif, hein, je vous l'ai dit, hein, ça reste quand même la petite carte ultra rare à un X. Ça fait vraiment, elles sont très belles. Hein. Alors, hop, on y va avec Macronium. Et les câbles. Troisième œil du kinésiste, Rapion, Gricknot, Psychoquack, Coifarel, Quaneton, Max Elixir en reverse, je la trouve pas du tout incroyable et attention, non on n'a rien. Oh elle est très belle,
Amphinobi, vraiment très très jolie en carte rare. Évidemment, on aurait aimé qu'elle soit holographique, mais elle reste très très belle. Ça fait partie des cartes rares qu'on est content de tirer parce qu'elles sont, elles sont bien stylées. Allez, dernier booster, dernière possibilité d'avoir une ultra pour cette ouverture. J'aimerais vraiment bien Terreur, Super Bowl, Chaffreux, Monorpal, Lixi, Fluvetin, Chaglam, Ramolos. Très sympa l'illustration de Ramolos. Très très sympa. Attention. Ah, une petite turbo. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait des turbos. Elle est très belle. Avec Amphinobi turbo. Et attention, va-t-on avoir le doublé? Et non, on n'aura pas le doublé. On aura Pandarbar qui est très stylé. Hein, on a l'impression qu'il casse la carte comme ça. C'est plutôt très joli. Ouais, vraiment, deux rares qui sont vraiment très très belles. Bon, bah, la meilleure carte de cette ouverture, ça reste Amphinobi Turbo. C'est presque une ultra rare, on peut dire. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, Amphinobi Turbo, Maxi Elixir, Professeur Platane. Et enfin, donc, les cartes, on va dire les cartes rares. Pandarbar, qui est très stylé, en train de donner son coup de poing. On a l'impression qu'il casse la vitre. Amphinobi et Miasmax en version... holographique. Et enfin, je vous remontre les cartes promo de ce coffret avec un très joli mais vraiment super sympa Pikachu, Latias, Regigiga, Kyurem noir, Palkia et enfin le petit Zekrom. Voilà, j'espère qu'en tous les cas cette vidéo vous aura plu. Passez un très bon dimanche, hein, parce qu'on est dimanche et ça c'est plutôt sympa le week-end. On se retrouve très très vite sur la chaîne. Portez-vous bien, allez, ciao ciao.